stop, stop, stop. Non, 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 non. Ils sont en train de tabasser. Ils le tabassent. Ils tabassent sa mère, comme elle. Ils tabassent sa gamin, comme elle. Je t'embrasse, ma mère. Merci, je suis en train de filmer. Tu veux comment taper? Tu veux taper une femme? Imbécile! Tu veux taper ma soeur, pourquoi? Tu veux la taper? Tu veux comment taper une femme? Ça n'a pas commencé. Celui qui a tapé la femme là, il a été bien tabassé. Caméraman, tu as eu. Caméraman a eu. Il a été bien tabassé par la police. La police a vu comment est-ce qu'il a tabassé une femme. Caméraman a eu. Il a été bien tabassé. J'ai filmé. Caméraman a été bien tabassé. Allons, allons, maman, allons. Allons. C'est comme qui? Ta mère a tapé sur Caroline. Caroline est où? Elle est là avec nous. Et pourquoi, à quel moment? On, ils étaient les sont venus nous provoquer. Ils sont pas sur les caméras. Il a été bastonné par la police. C'est vrai? Oui, j'ai filmé. Toi-même, tu connais l'histoire. Si on fait seulement comme ça, tu viens, tu soulèves. Parce qu'on fait le retard de maman. Amen, les people. Amen, les people.
Max, la police a sérieusement corrigé à mère là. J'ai vu, j'ai tout filmé. Mon ami, j'ai tout filmé. Il m'a pas sauvé. Caroline, je peux te porter. Elle a sifflé avec ta mère. Elle a sifflé avec ta mère. Elle a poursuivi. Elle a poursuivi. Elle a poursuivi. Jusqu'au bout. Moi, j'ai seulement poursuivi. Quand j'ai vu qu'elle montait, j'ai dit, je ne peux pas la laisser partir seule. Je poursuis. Ouais. Je poursuis, je filme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont amené celui-là à tenter les gens. Ils vont voir. Si je vais me tenter. On a même nos enfants dans la révolution. Et nous sommes à Genève, et Paul ne va pas partir de cette affaire. Sinon, les hommes ne seront pas prêts à nous tuer, ils vont le faire partir, vous allez voir. Tu as dit que tu cherches. Je ne suis pas venu pour quoi bien. Voilà les gens qui cherchent quoi bien. Je suis venu pour Zogo et tous les sardinats que je rencontre. 25 ans en Europe, je fais quoi ici? Je m'en vais. Viens. Maman, la mère, un petit message. Le cravaté va partir. C'est tout ce que je. 25 ans de vie, c'est trop. C'est trop. Il partira. On est fatigué. On a sacrifié nos vies. Nos enfants ont sacrifié la vie. Est-ce qu'elle peut dire un mot? Général Barat. Respect, maman. Est-ce qu'elle peut dire un mot? La général Barat. Vraiment. Est-ce qu'elle peut dire un mot à la Fédération d'Allemagne? Est-ce qu'elle peut dire un mot à la Fédération d'Allemagne? La populaire. Vous qui êtes encore derrière, vous qui êtes encore derrière les claviers, l'heure est grave, il faut venir ici. Nous allons camper dans cette ville. On va aller capturer ce type. Je disais que je savais qu'ils vont sortir leur police. Ça, je le savais. Donc, pour aller le chercher, il faut qu'on soit des milliers, des milliers. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Oui. Amen, Kamer. Vous, c'est Kamer, Amen. Je ne connais pas tout son nom. Un être pitoyable. Voilà. Il gifle. Et c'est la police qui l'a récupéré. La police lui a donné des bons coups là-bas. Il est ça. Pourquoi je m'assois même par terre? Sortez de vos maisons. La sœur Suzanne est assise. Comment est-ce que... Elle explique son dépit. Ça fait plus de 9 mois. Voilà nos mamans. Que je lui pour le Cameroun. Voilà nos mamans. Sortez de vos maisons. Sortez de vos maisons et venez nous rejoindre ici, place de la Nation à Bruxelles. Venez nous retrouver. Respectez. Venez nous retrouver les réclames. C'est le pleur d'une maman. C'est le pleur de maman. Venez nous retrouver. Sortez de vos cachettes, venez. La liberté a un prix, sortez. Sortez. Venez nous retrouver. Sortez. La police est avec les armes. Alors que Paul Biya est au Cameroun. Alors que Paul Biya est emprisonné. Venez. Sortez. Ça se passe ici. Sortez. Ça se passe ici. C'est la combattante. Sortez. C'est la générale Suzanne Barak. Venez. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Venez nous retrouver. La police suisse, elle est armée jusqu'aux dents. Sortez contre de nous. Pourquoi? Mais cette police ne peut pas dire à Biyabim de quitter l'hôtel. Il va quitter là. Cet assassin, ce criminel, il va partir de là. Merci, général. Merci. Merci. Merci, maman. Tu es déjà en orange. J'avais oublié mon truc. J'ai mis mon pipi de chat. Et pourtant le cœur me disait, mets déjà ton pipi de chat dans la culotte. C'est devant les gens là-bas que je vais mettre mon pipi de chat dans la culotte. Comment tu vas, mon fils? Ouais, bon.
sont les Amazones? Elles sont revenues. Bienvenue. Ça va? Là, ça peut pas aller puisque on n'est pas encore au temps. Ouais, faut... Je savais qu'il devait être armé, ça je le savais. Bonjour général, yeah, maman, ça va? Ça ira, tant il y aura autant de monde pour qu'on aille pousser là-bas. Le problème est qu'ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Quand on déclare, toute la police est là. Non, mais on ne pourrait pas. On ne pouvait pas déclarer. Ça a été seulement une conformité. Je sais. On a déclaré par contre. Peuple, venez, sortez. Je sais, maman. C'est pas grave. On sait qu'ils sont complices avec ces dictateurs-là. On sait qu'ils sont complices. Ils sont même pas nombreux. Mais ils sont armés. Ils ont les flèches. Mais oui, ils ont les flèches. Tu n'as pas vu. Tout à l'heure, tout de suite, à ce qui vient de se passer là. La police là. Tu n'as pas vu les flashballs qu'ils ont en main? Hey. Moi, j'ai filmé. Quoi que le téléphone est là, pourquoi? Moi, j'étais déjà assise pour qu'eux-mêmes, ils viennent nous balayer. Ils sont en train de soutenir les dictateurs. Pourquoi? Les autres combattants, il y a d'autres qui sont en route. Ceux des États-Unis sont, je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés. Hein, c'est la sueur. Non, je ne pleure pas. Tu es une femme. Je te poursuivais, non? J'apprends à me battre à cause de... Je voyais comment tu courais, tu l'as tapé, tout est filmé. Je l'ai fait, tu l'as enlevé. Il était fait, il était fait. Tu es une femme. Non, il est jeune. Il était là comme ça. Bon. Il était autour, tu ne savais pas ce qu'il y a. C'est pas l'échauffement, parce que quand il y a des qui vont me faire la chirurgie esthétique, faites-moi la chirurgie esthétique. Mais vous me ferez debout. On va se regarder face to face. Je ne meurs pas assise. Ah ça. Appelez le peuple. Appelez le peuple. Appelez le peuple. Nous sommes à Genève. Nous sommes à Genève parce que notre président. Appelez le peuple. Appelez le peuple. A élu domicile ici. Ce n'est pas le Cameroun ici. Il a dit que le Cameroun c'est bien. Qu'il aille vivre au Cameroun. Il a dit qu'il y a les hôpitaux au Cameroun. Qu'il aille vivre au Cameroun. Sortez. Si vous êtes Camerounais, si vous vous êtes retrouvé ici parce que vous n'aviez pas eu de possibilité de réussir au Cameroun, sortez aujourd'hui et venez dire à Paul Biya de rentrer au Cameroun et de construire son pays que de bénéficier des privilèges des autres pays. Donc sortez, on se retrouve tous ici à la place de la nation et tout à l'heure nous serons devant l'hôtel Continental pour demander à Paul Biya de sortir où il va nous loger, nous tous là-bas dans l'hôtel Continental parce que c'est notre argent qu'il utilise. Donc on vous attend, sortez. Merci. De prendre une photo avec toi. Hein? Oui. Donnez, je vous fais ça encore mieux. Ok. Oui. Amazon, filme là. Où tu veux donner un photo? Je tiens juste. Oui, je tiens. Ouvert. Ok. Quand même, là, tu vois, tu peux pas. Je pouvais retourner la caméra sur toi, mon jeune. Attends. Quand tu veux retourner, c'est ça. Quand tu veux retourner, c'est là, il y a. Ok, d'accord. Ah, ça c'est revenu. Comme je disais tout à l'heure, regardez, les Camerounais sont dehors. Il n'est que 10 heures. Il est quelle heure ici? Il est déjà 10 heures. Oui, il est 10 heures. Donc vous avez encore le temps de sortir. Sortez. Il faut qu'on se retrouve devant l'hôtel Continental. La somme finance à 13 heures. Voilà. La somme finance à 13 heures. C'est à 13 heures que nous allons envoyer aussi. Et nous allons entrer. Nous ne sommes pas venus ici là pour rester sur la. À la Général Bara. Ah, ça a repris, c'est bon. Général, je vous filme là. La même chose en direct là? Oui. Même. Tu as vu comment la connexion? Non, vas-y, parle. Appelle la nation, les Camerounais à sortir. Nous avons voyagé toute la nuit depuis hier. Nous avons fait 11 heures de voyage, ce n'est pas pour rien. C'est pour venir déloger Biya de cet hôtel. On en a marre. Tout l'argent du contrat camerounais est enterré ici, en Suisse, si vous ne le savez pas. Tout
tout l'argent du contribuable camerounais est enterré ici à Sousse, si vous ne le savez pas. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à Biya, stop. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à Biya de rentrer construire les hôpitaux au Cameroun pour se soigner et soigner sa population. Okay. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à l'État suisse qu'on ne veut plus voir Biya venir dépenser l'argent du contribuable camerounais dans les pays. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à Biya, stop. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à Biya de dégager et de dégager de rentrer sa soeur au Cameroun. Nous sommes ici pour dire à Biya d'aller arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci. Ok, merci, merci. Alors, je voudrais profiter comme ça pour demander à tous les Africains, surtout les Africains de l'Afrique centrale, cette affaire nous concerne nous tous. Si nous renversons le régime totalitaire et dictatorial de Biya, nous allons renverser tous les régimes de l'Afrique centrale. Donc, si vous êtes Ivoirien, si vous êtes Gabonais, si vous êtes de la Guinée équatoriale... Le renfort de ça, regardez. Oups, on a raté, oh là là. On a raté. Regardez le renfort. Regardez, ils vont à l'hôtel. Regardez le renfort de ça. Renfort de ça. N'ont même pas honte. Ce que les Européens savent faire, c'est de protéger les criminels. Tu as vu le renfort de ça? Tu as vu, non? Les motards qui sont passés là. Là, ils vont tout bloquer ici. Ils vont bloquer comme ça pendant des jours. Sortez! Ça va péter ici, Genève. Vraiment. C'est toi mec à mec qu'on tape. C'est toujours lui, non? Et il ne sait pas qu'il a été filmé. Ah, comme il a dit monsieur, donc il y a madame, donc je reste. Ah mon père. Ah ouais. Ah, ah. Il te dit, oh, monsieur, ya, comme il me prend pour monsieur, il n'y a pas de problème, non? Non, on est déjà. Oh, Suzanne. Mon bon beau déjà. Je suis tellement fier de toi. Merci. Non, c'est tellement de carrière à te donner de la part de plein de personnes. Je te dis que... Aïe, il y a d'autres qui arrivent là-bas. Hé, hey, l'Amazon Mado. Ouais, ouais, là, l'Amazon Mado. Papa, comment tu vas? Ouais, salut. C'est comment, non? Je m'en vais prendre les autres là-bas. Le soleil ne peut pas. Le soleil ne peut pas nous impressionner. Ya Caroline. Et il fuit, tout de suite là, il fuit. Poursuite, moi aussi derrière avec ma caméra. Pendant qu'ils sont en train de courir, il lui donne le coup encore. Elle aussi, elle donne le coup. Donc ils se battent en courant. Quand il arrive devant la police le récupère au sol, puis on le bloque. Voilà. C'est tout. J'ai filmé, mais il ne sait pas qu'il y a, la caméra de ça. On va bien se moquer de lui. On est venu chercher les sardinats. Je te dis qu'on a même tapé nos propres, on a même tapé sur nos propres. Sur nos propres brigadiers. Ah, vous dites non, non. Il en fait mal. Oui, je te dis que. Il a mal au pied. Je te dis que la base, quand elle a déchiré, c'est la folie. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Mais c'est pourquoi on est venu crier. Non, 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 non. Non. Ils ne savent pas. C'est un des nôtres. C'est pas grave. Même si on ne connaît pas, on tape pas. Oh, non, mais ils l'ont vu avec Amel Kamel. Je te parle de lui. Ça a coïncidé. En fait, ça a coïncidé. Papa. Oh, mon frère. Comment tu vas? Les gars, là, je vais un peu bien seulement. Parce qu'on a commencé. Tu n'iras pas. Tu lèves le chapeau. On ne vous salue pas comme ça le chapeau. Hein? Vraiment, félicitations. C'est un devoir. C'est un devoir. Hey! 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 Salutations à toute l'équipe. Maman,
Je suis venu vous accueillir, non? Ok, tu veux passer? Je passe parce que ma place n'est pas ici, là. Mais on a commencé déjà. On a commencé déjà. Ils nous ont. C'est là-bas. Avant que la police ne vienne nous contenir. Non, si. Ils sont déjà là-bas. C'est l'hôtel qui sécurise. Mais oui, mais moi j'ai vu qu'il y a des sardinards là-bas devant. Donc c'est. Je te dis, c'est qu'on a fait là tout de suite. Comment c'est? Oh là là. Il faut qu'on aille là-bas. Il faut que ça pète. Tout de suite, t'as venu de péter. Il faut que ça pète. Yeah. Il faut que ça pète. Bonjour. En pause. Oui, toujours en pause au taquet. Pourquoi c'est le devoir. Il faut que ça pète. Parce que le grabataire, le criminel Paul Biya est revenu dans son hôtel. Et il occupe cet hôtel depuis 1969, avant ma naissance. Donc il a trop donné de l'argent dans cet hôtel. Cet argent aurait servi à construire des hôpitaux, des écoles, à ouvrir des PME. Donc voilà, je suis venu là pour qu'on puisse capturer ce grabataire avec sa femme. Voilà mon objectif. Voilà, il faut que... la Suisse, l'Europe comprennent. Donc c'est Mama Touf Touf Lyon, hein, d'accord. Donc Bifaka, nous sommes venus là pour. C'est pourquoi j'ai laissé mes cheveux comme ça. Comme elle a une grosse souffle, on va attraper comme ça là. C'est ça. Donc nous sommes venus dénoncer la présence de Biyabim Bondo, le conducteur, le grand voleur, qui est là en Suisse avec la complicité hein, des politiciens suisses. On leur dit on ne veut plus de ce monsieur-là. Il ne doit plus occuper cet hôtel. Des milliards ont été versés à cet hôtel-là. Ces milliards-là pourraient servir à la construction des hôpitaux, des écoles, hein, au paiement des bourses. Est-ce que les jeunes, l'étudiant camerounais a des bourses? Dites-moi, répondez-moi, est-ce que j'ai tort? J'ai coupé. Merci. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis le micro. C'est grave. Donc, je vais laisser qu'il fasse la manif. Après, je vais vous mettre des micros. D'accord. Pour qu'on ait un meilleur son. Ok. Là, c'est juste pour avoir la... C'est chose. L'entrée. Tu dis tout maintenant, là. Maman. Après... Je te dis à Amazon. Je te dis qu'ils ont des flashballs. C'est le genre là. C'est le, je te dis que c'est l'unité qui est pour les terroristes qui est là. Ah bon? Ama, je te dis que l'unité que je viens de voir là tout de suite, ça c'est ceux-là qui sont pour les terroristes. C'est moi qui te dis. Toi-même, tu connais qu'on connaît ces gens-là. Ils ont des flashballs en main. La police est la là. La police est là, elle est complice. Vous allez nous tuer aujourd'hui. Si c'est ça votre objectif, si vous êtes là pour soutenir les criminels. Parce que Biyabim Bondo égale les Bongo, égale les Sassou, c'est la même chose. La Suisse est le premier paradis fiscal de l'Europe. Notre argent se trouve ici. Chez eux, là, c'est bien consommé, pas en Afrique. Et les Africains restent chez eux. Pourquoi? Sortez, vous allez sortir. On va tous demeurer ici, là. Tant que Biya est ici, nous allons rester ici. Tant que Biya sera dans son hôtel, nous, on va dormir dehors. Ça va, ma combattante. Tant que Biyabim Bondo sera ici, nous aussi, on va dormir ici. La dictature, la France-Afrique, Biya représente la France-Afrique. On a envoyé qui? Il y a un là qu'on connaît. Je donne encore le message, c'est la vidéo. Au nom de la France. Ah, allô, bonjour les amis. Ok, c'est mon grand servante. La servante de mon peuple et la servante de la France. Non, il nous avait rencontré l'autre jour là. On l'avait rencontré l'autre jour. Laisse, on le reconnaît. Il était dans le téléphone, mais vous n'avez pas dit ça. Il faut qu'il dégage. Vous voulez qu'il dégage? Non. Donne-lui son téléphone, il part. Mais tu le chasses pourquoi? Non, il n'est pas méchant. Laisse, on avait discuté la dernière fois. Laisse, donne-lui son téléphone. Non, on l'a. Non, donne-lui son téléphone. Ne fais pas ça. Non, laisse, c'est la Bible. Tu crois que toi, tu es venu comme un filtre, quand on ne t'a pas reconnu? Donne-moi d'abord mon drapeau. Donne-moi mon drapeau. C'est vous qui nous avez montré la Bible tout à l'heure. Oui, on l'a rencontré la dernière fois pendant. Le gars.
malade, non. Déverrouillons le téléphone. Laisse. Non, ne le ramène pas là-bas. Non, mais pas là-bas. Ne va, ne le livre pas encore. On ne fait pas comme ça. Faut pas le livrer au peuple. Amène-le par ici. Regarde, il faut qu'on ait des preuves. Non, regarde. On veut des preuves. Il faut d'abord tout fouiller pour se rendre compte. Il y a la police qui arrive, il y a la police qui arrive. Paul Biya est un criminel. Paul Biya, que vous protégez là, c'est un criminel. Biya, que vous protégez, c'est un criminel. Laisse-le. Donnez-lui sa Bible. Donne-lui sa Bible. On lui a envoyé avec les esprits. Allez, revenez. Prends sa Bible. Comment tu vas, mon fils? S'il vous plaît, remontez. Allez, on remonte. Voilà. Général. Oui, papa. Tu vas bien? Voilà, la police est mobilisée. C'est ce que SFR se mobiliser pour les grabataires. La police est se mobiliser pour les grabataires. C'est cela que je savais. Ama. Vous voyez que la police commence à nous encercler. Ils vont nous empêcher d'aller. Non. Moi, je n'ai pas 6 heures c'est de route. Parce que... non, parce que... Arrêtez vos histoires là-bas. Moi, je n'ai pas 6 heures de route pour venir me lever là. Vous les hommes africains, vous avez failli. Nous, les femmes, on n'a pas failli. Ils vont nous tuer aujourd'hui là. Si vous êtes venus nous tuer, vous allez nous tuer. Moi, je ne remonte pas là-bas. Je suis venu là. Billet bim, venez là. On a un plan de travail. Non. Non. Écoute pas, vous, nos frères là. C'est ce que je savais que ces connards là vont nous en. Mais tiens-nous une bonne fois. Vont nous tuer aujourd'hui là. Vous voyez la police comment ça nous encercle. Je savais qu'ils allaient nous bloquer. Je savais qu'ils allaient nous bloquer. Pendant qu'elle est accessible. Je savais qu'on devait nous bloquer. Amazon, allons-y. N'écoutons pas nos frères. Attendons. On essaie encore d'attendre les femmes. On attend un peu les gens. On laisse la péter les câbles. Laisse. C'est la colère. Laisse. Même quand il y a la colère. Laisse comme ça. On ne peut pas la sauver. On va partir en courant ensemble. On part en courant et tout en masse. On contrôle la colère. Laisse. On a dit 13h. Quand il y a le masque, on va partir en courant. Ils ne vont pas nous retenir. Ils ne vont pas nous retenir. Ils vont seulement nous voir devant l'hôtel. Ça va passer. Est-ce qu'on est venu? On est venu. Donc laissez-nous seulement péter nos câbles. On est venu mourir ici. Okay. Donc tu nous laisses seulement péter nos câbles, non? Non. Voilà. Chacun, t'as dit, mais en se protégeant chacun. Oui, bien sûr. On surveille chacun. Oui. Mon Amazon est en colère, elle a raison. Victime, et c'est nous qui devons toujours accepter ces conneries-là. On ne doit plus accepter ces conneries.
comment on peut accepter un ils savent très bien que c'est un dictateur, non, ces pays-là, franchement. Hein. Sortez, venez nous trouver. Venez nous, est-ce qu'on sait ça lui-même? Ah, c'est bon. Ah, vraiment, je te dis que c'est fort. C'est fort, hein. Je savais que ces gens-là vont nous faire ça. Le dessin était déjà là. Hein? Non, on l'a rencontré l'autre jour là. Hein, ma soeur? En colère. On offre. Ah, d'accord. Au taquet. Au taquet. Je t'ai dit que maman. Ils pensent que ils vont rester là éternellement. Allons là-bas. On arrête d'abord le téléphone. Bolivia est parti de la tête de ce pays et de ceux qui sont partis. Qui ne s'inquiète pas pour le Cameroun, ça va aller. S'il veut partir vivre en Suisse, il pourra s'en aller. Pourquoi je t'aime comme tu ne peux même pas l'imaginer. Mais quand j'ai envie de faire un bon quartier dans sa machine, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui t'arrive. Sans un dictateur, ce pays à la dérive. Ma main qui est fort dans mes mains pour que je me lève. Que ce soit Magical, que ce soit Ouattara, que ce soit Idriss Déby, que ce soit le Abdel Oulgaziz de la Mauritanie, tant qu'ils vont empêcher la jeunesse africaine de rêver d'un avenir meilleur, nous on va les empêcher de dormir. Ils ne dormiront plus jamais tant qu'ils vont arriver ici. Sur le sol européen, on va les traquer. Sassou arrive mardi, on va te traquer. Voilà, Sassou le sol européen de l'exécutation mardi. C'est un aperçu de l'exécutation mardi. Hein, maman? Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Sassou Nguesso pour mardi? Sassou Nguesso, c'est le même traitement que tu t'attends. Et les caca. On ne prépare déjà nos cacatoffes contre toi. Ça suffit comme ça. On ne va plus jamais vous laisser venir dormir dans les hôtels paisiblement. C'est fini ça. C'est terminé. Avec parce que vous utilisez l'argent du contribuable à votre profit, à vous-même. Vous balancez le peuple. Vous écrasez le peuple. Vous tuez le peuple. Vous minimisez le peuple. Non, ça suffit. On va vous laisser jusqu'à temps. Je ne veux plus parler. Je vais arrêter le téléphone. Vous ne construisez pas les hôpitaux. Vous venez vous faire soigner ici en Europe. Hein? Le chien d'Ali Bongo. On dit oh, il est à Londres. Vous êtes des criminels. Vous êtes des sorciers. 37 ans. Paul Biya, tu n'as rien fait au Cameroun. Et c'est 7 ans de plus qui va ajouter quoi? 7 ans de plus va ajouter quoi? Africain. Ah non, je vais couper le réalité. Je vais couper le live, la journée est longue. On est venu pour dire à l'État continental, on ne veut plus jamais voir Biya ici. Donc aujourd'hui, c'est une journée d'action. Les Africains, sortez de la peur. Sortez de la peur. Mettons nos échos de côté. Mettons-nous ensemble. Celui qui n'a pas compris que l'Afrique bouge, il y a quelque chose qui va se passer avec tous ces dictateurs-là. Que nos ancêtres nous viennent maintenant en aide pour balayer tous ces dictateurs. Le combat a commencé. Vous voyez tout ce qui se passe actuellement sur toute cette Afrique francophone. Ça bouge de partout. Aujourd'hui, les Mauritaniens sont devant leur ambassade. Les Sénégalais, ils ont une grande marche. Le Château Rouge à Stalingrad. Les Ivoiriens vont marcher. Les Congolais vont marcher. Les Béninois sont dehors. C'est la suite qui bouge. Donc, un grand merci pour tenir notre merci. Je veux dire comme ça, 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 allons-nous dormir jusqu'à quand? N'allons-nous pas comprendre que l'heure a sonné lors de la révolution a sonné?
terre, la vie a tout ce qu'il faut pour faire vivre le monde entier. Mais les Africains pleurent tous les jours. Absolu, mais dans le respect de l'être humain, dans la liberté d'expression. Donc voilà, ceux qui pensent qu'on va enlever, les dictateurs pacifiquement, détrompez-vous, un dictateur ne partira que par une révolution, une vraie. C'est mon amour, je me battrai. Parce que tu es l'espoir de nos enfants. Parce que c'est toi qui garantis l'avenir de nos petits-fils. C'est ta politique qui va sauver nos fils. Regardez les Amazones. On y va. Je vous filme, hein. Vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous êtes jaloux. Non, vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Non. Voilà. Allez, on y va. On danse. Je vous filme. Papa, filme-nous. Filme-nous, papa. Tu tiens seulement. Tu filmes, c'est pas les Amazones. Envie d'aller là-bas. Laissez-moi aller là-bas. Je vais seulement aller là-bas. C'est l'homme-là qui détient. C'est lui qui cadenasse l'avenir de la jeunesse. Biyamin Vono, le plus grand criminel. Le plus grand criminel de tous les temps. Il rend misérable le peuple. S'il est détruit, Sassou est détruit, la fille est en train de libre. Attends, voilà lui. Voilà lui. Le premier homme à pourchasser Biya ici à l'hôtel Inter. L'inspiration de la révolution camerounaise. Il est là. Celui qui a fait comprendre que Biya pouvait être démystifié. Bien sûr. Pardon. Hein, maman. Hein? Non, non, elle, c'est l'inspiration des Amazones. Elle a inspiré la révolution. Elle a inspiré que les femmes. Les femmes. Elle a inspiré. Oui, elle a inspiré que les femmes avaient la voix. Elle a inspiré. Papa, attrape, tu vas me faire la photo. Ah oui. Je vais faire la photo avec. Comment? C'est parti. Ah, je vais aussi. Je profite. Partagez le live. Nous sommes dans le live du général Barack. Celle, l'Amazone qui a inspiré les femmes dans la révolution camerounaise, qui a fait comprendre aux femmes qu'elles avaient leur voix et leur place dans la révolution camerounaise. Ah oui, vous avez vu tout.
tous les combattants sont là. Et il y a eu un premier assaut. Vous avez vu comment on a boxé avec Amel? J'ai la vidéo. Patientez. J'ai la vidéo. Patientez. On a sauvagement boxé avec Amel ici là. Et les tontinats ont tabassé. Une chandelle, bam, il n'y a que la chandelle qui n'a pas fait la vidéo. Mais quand les tontinats ont tabassé, ils l'ont envoyé la passe de Samuel Eto'o à Messi. Non, dis donc. C'est-à-dire les tontinats, ils envoient la passe aux militaires suisses. Les militaires suisses ont récupéré avec Kamel. C'est la vidéo là que j'ai maintenant. Patientez, vous allez avoir ça. Oui, Général Barat, dans ton live. Ceux qui sont contents qu'on a tabassé bien, Ahmed Kamel, il passe le temps à mobiliser les gens, à faire la propagande comme quoi, hein, il y a les Sardinas, il a les frères Sardinas, ils seront 10 000, ils seront servis à l'intercontinental, venez. On a vu les Soula là qu'on a rapatrié le lendemain. Il y a aucun, Ahmed Kamel est seul. Ahmed Kamel, il y a les images, il y a les vidéos. Oui, bon, ils sont positionnés là, mais un à un. Ahmed Kamel était là deux, il était là avec un gars dans un coin là. Il y avait un autre, ils sont cachés dans ils sont là un à un. Il n'attendait même pour au total 6 personnes. Donc, on a récupéré. Il y a c'est une ambassade qui a giflé d'abord à mes caméras. Où est Général Barat? Tu lui donnes son live. Patientez quelques moments, hein, je vous remets le live. Général Barat. Mais Général Barat est où? Bon, comme Général Barat n'est pas là, je peux quand même vous entretenir si vous voulez, si vous me permettez. Je peux quand même vous entretenir. Pour ceux qui me connaissent, qu'ils écrivent mon nom. Comme ça, je commande quand même la manifestation. Vous savez, tout le monde avait le devoir d'être ici. Mais pour ceux qui ne sont pas ici, on va. Ceux qui me connaissent, écrivent mon nom. Si vous ne me connaissez pas, ceux qui me connaissent, écrivent mon nom. Comme ça, je vais commenter la manifestation. Il y a des choses terribles qui sont passées. Je vous donne le positionnement d'avoir des militaires suisses. Comment ils sont en train, n'est-ce pas, de montrer leur stratégie pour nous encercler. Pour ceux qui me connaissent, envoyez, écrivez le nom. Écrivez le nom en attendant que le général Barat arrive. Je vous commente ce qui s'est passé ici. C'est parce que c'est grave. Pour ceux qui me connaissent, écrivez le nom. Mais il y a personne qui ne connaît les combattants. Hein. Donc moi, comme je suis un combattant dans l'ombre, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai qu'on est sur la page du général Barat. Hey. Bonsoir Amazon. Oui. Bienvenue. Bon, ouais, maman. Ça va? Je vais très bien, maman. Je vais très bien. Pour ceux qui me connaissent même pas la voix, écrivez le nom. Ou bien vous voulez voir le visage. Vous voulez voir le visage, dites-vous, vous voulez voir le visage. Si vous voulez voir le visage, dites que vous voulez voir le visage. Je vous montre. Ouais, Général Barat aussi. Qui menace le peuple, tu parles de paix, mais il n'y a pas la guerre. Des hommes en noir, c'est la terreur pour tout. Tu t'es sincère, tu as des morts, tu tournes à la mort à des mecs qui sont des charmants. Non, ça va. Mais j'ai la baratère où elle m'a abandonné avec son téléphone. Ah bon? Mon frère, il l'a cherché. Elle est là, elle est là. Quand tes gosses crèvent de faim, quand ta femme tous les soirs, quand tu pleures, c'est la putain. Mais Général Barat, elle m'a abandonné avec son téléphone. Et moi, je ne fais pas les lives.
Moi, il ne fait pas les lives, je ne sais pas. Elle a combien de personnes? Elle est où? Elle a environ 300 personnes, mais elle doit être là-bas, quelque part. Elle doit être là-bas. Qui l'a vu là-bas? Cœur spirituel et meurtrière, la pitié c'est son père, c'est la preuve qu'on est cruel. On est cruel, c'est ta mère et que les singes n'ont pas toujours des ailes. J'ai le téléphone du général Barra, moi je veux le... Je suis le Tega, hein. Ouais. Je suis le Tega, hein. Non. Tu peux nous aller. Tu es de quel base, frère? Tu es avec qui? Parce que tu filmes bizarre depuis tout à l'heure. Tu passes comme on dit, nous écoutons. Non, 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 tu es sur scène. Attends, si vous êtes de l'ange, vous mettez... Tu es avec qui? Tu es avec qui? Vous voulez que je passe pour le reste? Vous voulez que je passe pour le reste? Non, tu es avec qui, là? Il faut qu'on... Ils sont où? Ils sont où? On a vu ça, les gars venir filmer comme ça, mais dans les trucs des caméras, mais on a obligé de vérifier. On n'a pas dit on va te chasser, il faut nous prouver quand même que... Attends, je vais leur demander, c'est simple. Non, je vais... non on peut m'appeler des t-shirts, ça ne veut rien dire. Je vais leur demander. On pose en paix, ça c'est quand t'es mort. La vie, c'est quand t'es Non, je vous dis, Bon, je serai obligé. Je serai obligé d'arrêter d'abord le live du général Barat. Du temps qu'elle vienne, elle-même continue avec le live parce que. Hey, c'est encore lesquelles motos ça? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais Général Barra m'a abandonné avec son téléphone, il a cherché pour le remettre. Là-bas, Général Barra. D'accord, merci. Dis-moi, gars. Tu as filmé le clip d'Amérique. Oui, très bien même. J'ai ça en grand portrait. Tous les saltos arrière. En grand, on l'a, la police, c'est-à-dire les tortinales, on a beau massacrer. Ils ont envoyé la passe aux militaires suisses. Les militaires suisses l'ont piétillé comme ça. Ils voulaient fuir, les militaires suisses, le rack, pomme. Gars, non, il y a eu des actions. Et c'est la première action. C'est la première action. Oui, la première action, parce que c'est qui. Le secret, c'est quoi? Quand moi, Jérôme, je vois Calibri, il n'y a pas un courage que je peux manquer. Quand nous sommes tous là, on se donne la force entre nous. Donc même la police qui est là, elle va être débordée d'action. Restez scotché. Restez scotché. Vous devez être ici à Genève. Mais pour ceux qui n'ont pas pu venir, on va retransmettre les images. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ah, Général Barra est en train de faire l'interview. Je voudrais que notre femme soit complètement abolie. Je voudrais le départ des bases militaires françaises de nos terres. Je voudrais que le peuple ait le droit de choisir lui-même. Hey! Hey! Tu vois que je suis en tenue. Président!
président, tu as pris le poids, hein. Tu as pris le poids. Président. Il y a déjà eu des actions. Ah bon? Attends, je remets le téléphone. Je suis bien content que vous retrouviez mes pipes pour gâcher le compte. Général, pardon, soit tu coupes le live ou bien tu arrêtes. D'accord. Donc tu peux me le placer. Là les gars, me gâche le son direct. Mets-moi ça quelque part là. Comme ça. Oui. Tu vois. Ça donne. Oui, ça donne. Voilà. On va continuer. Nous sommes aujourd'hui à Genève. Oui. En Suisse. Comment comprendre que des mères de famille comme vous abandonniez vos ménages et tout pour vous retrouver dans un pays voisin et l'autre jour vous étiez déjà aux États-Unis? Vous êtes tous les jours dans les manifestations. Qu'est-ce qui vous motive en réalité? Ce qui me motive, c'est la libération de mon peuple. C'est parce que moi aussi, j'ai soif de voir la démocratie s'installer en Afrique. Moi aussi, je voudrais voir des écoles, de nouvelles écoles, des maternités. Je voudrais voir des universités, des logements pour tous, de nouvelles routes, une bonne politique, une démocratie réelle dans mon pays. En Afrique centrale, en fait, c'est ce que je veux, c'est mon rêve. Donc, ils nous empêchent de rêver, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais nous aussi, on va empêcher à ces dictateurs-là de venir en Europe et rester paisiblement, de passer leur séjour paisiblement. Mais est-ce que vous croyez que vous êtes comprise dans ce combat-là? Est-ce que je suis? Comprise. Je crois quand même que je suis comprise parce que si je prends par exemple le cas du Cameroun, lorsque nous avons relancé le mouvement, c'est vrai qu'il y avait déjà des combattants au départ, des résistants. Il y avait déjà le CCD, je ne les connaissais pas, mais j'avais déjà fait la connaissance de quelques-uns, mais je ne maîtrisais pas un peu leur organisation. Lorsque nous, on est partis, nous les Amazones d'Afrique, lorsque nous sommes partis devant l'ambassade du Cameroun, nous sommes allés revendiquer, nous sommes allés dénoncer les exécutions sommaires qui ont été pratiquées par les hommes de Biya. Nous sommes allés dénoncer ces crimes, en fait. Quand nous sommes allés, et comme nous pensions que nous devons trouver nos sœurs camerounaises, nos frères camerounais, mais il y a eu que... Mais il n'y avait toujours pas de monde et il a fallu qu'on reste là pour leur dire non, il faut venir parce que les droits de l'homme sont bafoués au Cameroun et surtout qu'il y a une guerre qui se passe dans le Nozo. Il y a un peuple qui est tué par le BI, par les militaires de Paul Biya et je trouve anormal que le Cameroun, le pays que j'ai aimé, que la plupart aiment bien, se trouve divisé. Une partie de ce pays se retrouve endeuillée. Chaque jour, il y a un citoyen qui tombe sous les balles du pire. C'est vrai qu'il y a des champs de coups, c'est vrai que les morts se retrouvent de tous les côtés, mais il faut savoir que les perdants, ce sont les populations du nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Donc, il y a des gens qui vont rejoindre. Tout le monde ne peut pas venir au même moment. Mais il y en a qui vont rejoindre ce train en marche. Voilà. Donc, je lutte dans la foi. Je lutte avec amour. Je persévère. Je ne doute pas un seul instant que le combat que je mène aujourd'hui ne va pas payer. Je crois qu'il va payer. Parce qu'il y a des exemples. Je ne suis pas la première. Il y a des Amazones avant moi. Il y a des femmes qui ont fait des choses, qui se sont battues réellement, qui avaient des armes en main. Moi, je n'ai pas d'armes aujourd'hui. Je n'ai que ma parole. Je n'ai que de mon temps. Je n'ai que, comment dirais-je, mon stylo, une feuille pour écrire et un déplacement. Voilà. Or, avant, bon... Il y en a qui se battaient réellement avec des armes à feu, etc., etc. C'est vrai qu'il y a l'armée et tout, mais nous battons passifs. Nous battons avec la parole, avec les écrits. Nous venons là devant l'ONU pour appeler à cet organisme qui, d'ailleurs, pour moi, elle est complice. Hein. Pour moi, elle est complice. Elle est complice parce qu'ils ont reçu nos mémorandums, les photos, les preuves des génocides qui se passent en Afrique, les viols. Voyez un peu, en RDC, plus de 6 millions de femmes violées et le viol est utilisé dans ce pays comme arme de guerre. Et vous allez me demander, moi, Bara, de me taire. Non, 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 jamais je ne me tairai. Vous allez voir encore, hier, il y a Maïmouna qui a été arrêtée simplement parce qu'elle est allée manifester et pourtant nous organisons des manifestations pacifiques. Mais nous qui les organisons, nous nous retrouvons
séquestrer, arrêter le pouvoir en place, pratique des arrestations arbitraires. Donc en fait, les pouvoirs iniques, hein, ces criminels, ces dictateurs n'utilisent que la force. Voilà, ils violent tout le temps nos droits. Comme ils violent nos droits, nous avons maintenant le devoir de nous lever, de nous battre pour restaurer, pour retrouver notre dignité. Donc, je vais continuer le combat et je crois que je me fais entendre. Mais est-ce que vous croyez que selon la façon dont le monde est constitué actuellement, cette iniquité va se régler? Parce qu'il y aura toujours les plus forts contre les plus faibles. C'est vrai. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je ne peux pas prédire. Parce que l'avenir appartient à Dieu. Moi, je suis chrétienne, je crois. L'avenir appartient à Dieu. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Présentement, je dois faire ce que j'ai à faire. Donc, présentement, je dois condamner toutes les exactions. Je dois exiger la libération de tous les prisonniers politiques qui sont, par exemple, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans tous les pays. Donc, présentement, je dois dénoncer, je dois continuer. Je ne sais pas ce qui va se passer devant. Je sais simplement qu'aujourd'hui, l'injustice que nous vivons aujourd'hui, je dois la dénoncer, je dois amener le peuple, je dois inciter mes frères, mes soeurs, mes fils à se lever et à se défendre, voilà, à se ranger du bon côté de l'histoire, de la justice, à se battre pour le plus faible. C'est ça mon objectif, à ne pas se taire. Parce que se taire, nous devenons complices. Et ne rien faire, nous devenons aussi complices. Donc pour moi, je pense qu'un jour, ça sera réglé. Là. Donc, nous continuons le combat. Général Bara, est-ce que ce combat-là ne nuit pas à vos vies en tant que femme? Est-ce que ça se passe facilement pour vous? Vous avez la liberté de sortir, de partir quand vous voulez, manifester, de faire tout ce que vous avez envie sans que ça pose des préjudices dans votre ménage? C'est... Bon, je vais vous dire, c'est pas facile, mais c'est un choix. Quand vous choisissez de combattre, vous avez tout cela autour de vous, vous faites un choix, vous êtes obligé de toute façon d'affronter cette petite difficulté. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, ce n'est pas facile, mais je m'y mets, j'assume, voilà, j'assume. Et est-ce que vous avez de l'espoir que vous allez réussir à faire comprendre à vos compagnons et autres que les femmes aussi peuvent se combattre, que ça peut bien se passer, qu'un jour l'Afrique sera libérée, peut-être grâce à la femme? Mais déjà, que nos compagnons comprennent, qu'ils ne comprennent pas, nous-mêmes nous avons déjà compris, nous les femmes, nous avons compris. Et moi, mon but aussi, c'est que les femmes comprennent qu'elles doivent être actrices dans ce combat. Parce que c'est elles qui mettent au monde ces enfants qui sont kidnappés, qui sont tués en Libye, par exemple. Donc, que nos époux comprennent, qu'ils ne comprennent pas, ça, c'est à leur niveau. Il faut que la femme comprenne que ce combat est le sien. Elle doit le prendre à bras le corps. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les femmes comprennent qu'elles doivent se battre. Voilà. Que nos époux comprennent, oh, bravo. Ils vont finir par comprendre. Mais nous allons continuer notre combat. Voilà. Bon. On va refaire un petit truc. Yeah. Présentation. J'ai tel âge, j'habite à tel endroit, je suis en Europe depuis tel nombre d'années. Déjà, je vais vous dire, il y a des éléments que je ne peux pas vous donner parce que il y a des gens qui en veulent à ma vie. Donc sérieusement, je ne peux pas vous donner exactement où j'habite, ni mon adresse, ni la ville. Je vous dirai Paris. Voilà. Cette année, j'aurai mes 49 ans. Donc le 5 juillet, j'aurai 49 ans. Voilà. Donc je vis à Paris et je suis très active dans ce combat. Et je l'adore. Et pourquoi ces gens en veulent à votre vie? Mais parce qu'ils trouvent que je suis gênante. Parce qu'ils voient que je suis une femme assez dynamique, qui est toujours en train de dire la vérité, qui ne change pas de langage. Je tiens le même langage. Je dis au Gabon, Ali Bongo a perdu les élections, il a tué les Gabonais, par conséquent, il doit être traduit à la Cour pénale internationale. C'est Jean-Ping qui les a gagnés. Je dis au Congo, c'est Jean-Michel Moukoko qui a gagné les élections, aujourd'hui se retrouve en prison. Il faut qu'il soit libéré. D'accord? Sassou Nguesso doit dégager. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné les élections. Il se retrouve en prison. Il faut le libérer avec tout le peuple qui a marché pour exiger le rétablissement de la vérité des urnes du 7 octobre 2018. Voyez-vous, il y a tellement de choses. Donc, voilà. Je ne vais pas changer
de langage. Merci. Girl power. Bon, je crois qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Merci. Attends, je t'enlève le micro et je me lève. Ouais, merci, ma soeur. On a fini. Oui. Mmh. On va continuer à parler. Je t'ai dit. Papa? C'est quoi, papa? Il est tombé. Hein? On ne sait pas ce qui est tombé là. On veut son nom pour pouvoir au moins dire à la famille. C'est ouvert. Ouais. Comme bon, je sais que tu aimes là. Ben, je sais pas. Il est en bas là-bas. Il est en bas. Que moi, donc, si on a son nom, moi, je continue. Oui, vas-y. Ok, bah écoutez, comme on a signalé l'autre page, on va continuer sur la page du général Bara. Hein. Donc ça continue. Il y avait un combattant qui s'est blessé tout à l'heure là dans une petite bousculade. Donc on allait s'enquérir pour prendre de ses nouvelles. Ouais. Ah, tu as vu? Laisse, il va revenir, laisse. Il était à côté. Donc il filmait même. Non, attends, il y a les gars qui ont les stratégies. Non, laisse tomber. Lui, c'est Zana. Même qu'on n'a pas de points là, que pourquoi l'appliquer lui? Si. Non, voilà, non, voilà. J'ai mis une grosse. Avec il venait prendre les infos. Il venait prendre les infos. On va voir. Attendez, on va voir où il va partir. Mais les gars, vous comprenez pourquoi? On va arriver là-bas. Plutôt riche, vous venez. Oui, on ne peut pas maintenant, mais on va arriver là-bas. Ne nous dérangeons pas. On prend le bus. Si tu comprends le bus, là, Nico, on descend là-bas. On est plus de partout sur ma route, mais si on dit que nous, coupons-nous. On va se le connaître facilement. Je vois ce gars là-bas en train de chercher. Si pique seulement, je vais voir. Il nous regarde, il s'est retourné. Ah, il est avec eux. Voilà. Il est avec eux. Voilà. Voilà, on a vu, c'est bon. Il donne les infos. Il a grillé sa carte. Venez, ne faites pas comme si tu n'attirais pas l'attention. Venez. Vraiment, tu on est resté à côté de nous. Il parlait. Il pouvait nous piquer. Comme les blagues. On a pris par. Il devait commencer par où? Tu pouvais faire la lâcheté. Mais c'est un type qui fait quelque chose. La lâcheté. Il pouvait faire la lâcheté. Il ne fuit pas, mais là. Nous avons coupé tout le monde. Bon, les gars, traversez. Bonjour madame. Bonjour. Non, le gars là nous a eu. Tu peux même verser une poudre ici, là, il part. On respire. Viens avec eux. Voilà. On va faire. Je suis là.
a la casquette rouge là, tout le monde. Même le Magida, c'est là, mais il ne pas être aussi fier. Non, non, il est fier, les combattants, on est tout ensemble. Celui qui a la casquette rouge là derrière, rouge. Il était au Ville de la match du 26, donc on a pris un gâteau au pays. Lui là. Non, celui-ci, le Magida, c'est fier. Il dit que lui, il a la casquette rouge là, tu vois, tu le connais, regarde voir sa face. Mais c'est facile, non. Tu te doutes de quelqu'un et moi, je ne suis pas dans deux pas. Non, 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 c'est juste pour look. Regarde. Mais le petit là nous a eu. Il est resté à côté. Voilà ta personne. Ouais. Voilà ta personne. C'est là. Ouais. C'est là. À l'hôtel. C'est là, c'est putain d'hôtel. À l'hôtel intercontinental. Voilà. Ils sont là, c'est pas là la radio. Voilà le groupe des patriotes. Voilà ce qui nous attend. Ils sont bien. Et voilà. Voilà les patriotes. Il y aura l'échauffement ici. Donc là, la police, le policier a voulu s'échauffer, il ne déchauffe pas encore. Il sait qu'avec ce que tu as un bar de tirer. Ouais, le général Barra, ouais, il m'a laissé son pied. Les gars, je peux lui remettre son téléphone, j'ai les appels. Non, on bouge pas. Ne t'inquiétez pas. Alors, n'allez pas là-bas. Ouais, Carlos. Allô. 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 Ok, ça marche. Je vais le faire tout de suite là. Notre chip, non. Oh, je vais donner ça tout. Ok, c'est bon, je le fais là. Je vais me poser quelque part, je fais ça. Je me pose, je fais ça. Je me pose, je fais ça. Oui, je me pose quelque part, je fais ça tout de suite, là, dans 2-3 minutes, c'est fait. À tout de suite. Tu m'as envoyé sur le numéro, je t'ai envoyé là, non? Pardon, c'est pour Baran, elle est en direct. Tiens, elle est en direct. Je vais faire un petit. Elle est partie où? Eh ben, je reprends le direct de Suzanne Barak. Donc on est là, on va lancer l'assaut d'ici peu. Les Sardinas se sont retranchés après une bonne raclette à la Kamehameha, quoi. Viens, se met à l'ombre. Venez, les filles, on se met à l'ombre. Il faut qu'on aille chercher le type là-bas dans son, dans sa chambre d'hôtel. Tu as chez où? Pardon, moi-même, je veux. Ouais, ça va bien. Maurice Camto. Yes, mon père, la chaleur. Moi, je me rêve seulement que je suis derrière là-bas. Mais quand le Sénat, on perd les politiciens sans la gérer, il faut qu'on aille de la politique. Oh, hein, mon père, heureusement. On a de la politique. Tu as tout compris. J'ai dit qu'on allait laisser le CCD manifester comme ils ont l'habitude. Et là-bas, ça va faire son action. Est-ce que la rouge à côté de Wanto? Massa. Ce sont les Amazons de notre général. Est-ce que pas les gens les bons? Nous sommes là pour déléger le dictateur et le tyran Biya. Lorsqu'un homme assassine son peuple, on doit répondre par le même langage, celui qui l'entend le plus. Et voilà qui s'est retranché dans son hôtel.
Donc, si vous voulez, il y a en prison. Et le peuple va décider à quel moment nous allons le libérer. Pas pour un dialogue. Pas pour un dialogue. On ne dialogue pas avec les dictateurs. Nous ne dialoguons pas avec des tyrans ni des meurtriers. La justice populaire frappera ce monsieur. Les Camerounais, le chaud, regardez-les. Les patriotes qui se revendiquent patriotes, ils ont pris la fuite, ils ont bifugué. Regarde l'homme là, chemise blanche, là, ça ne te dit rien. Hein. Celui-là, Chitadine. Tu connais. Ah, ok. Non, on regarde seulement tous ceux qui viennent, non. On ne sait jamais. On recherche des sardines. Donc, Monsieur Mbia sera jugé sur la place publique par des enfants de la nation, par la jeunesse épris de liberté. Oui, à la maison, oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Voilà. Le gars de chapeau là, non, c'est fini, c'est marrant. C'est dans la voiture. C'est dans la voiture. Ah ouais? Mais c'est pour ça que j'ai pas lancé le live. Bon, on est garé très très loin même. Je trouve ça. On a commencé au direct. Les salons ont signalé. Ils pensaient qu'ils pouvaient prendre. C'est comment? Je suis finalement arrivé. Bon, yes, finalement tu es arrivé. Tu n'as pas eu Niad toujours? Non, je suis pas avec lui. Je n'ai pas eu finalement Niad, mais ça va. Nous, on connaissait quand même la route. La place, là, donc, d'accord, ok. Oh, on est tous en partie manger. On a voyagé toute la nuit, on a voyagé à 2 heures. Nous, on a voyagé toute la nuit, on avait seulement ce matin. Donc, là, on n'a pas dormi. On a pris la route vers 23 heures. Il y a 2 heures, on est arrivé à 10 heures. 7 heures, 10 heures. Bon, c'est pas. Nous, on est dans la place. Madou, elle a dit avant que je n'ai pas répondu. C'est comment ma chérie? Non, ça va. Est-ce que tu nous gênes? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que c'est mon fils qui est venu hier à 22h. Parce qu'il y avait ces euros qui passaient. Dieu me dit comment je peux dire pardon. Dieu me dit comment ça. Non, donc ton mari, il a commencé à dire comment ça. Il n'est pas là. C'est comment Madou? Non, non, vas-y. Non, ma soeur, je vais te dire quelque chose. On m'a dit que c'est le petit. Moi-même, je suis là, on s'en va, on va t'en avoir. Il fait chaud, ma chérie. Non, je suis amusée. Les polices, on est partis. Barat est parti où? Je me donne le chapeau, pardon. Tiens, donne-moi un chapeau, s'il te plaît. Je te donne l'argent dans la voiture tout à l'heure. C'est 5 euros le chapeau. Hein? Ouais, c'est un peu plus. Mais maman, ils sont partis longtemps. Ouais. Oui. Tu n'as plus. Mais il me reste plus ça. Non, est-ce que tu m'as dit 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 que tu m
salle. Tu comprends, non? Tu as déjà parlé à 1h du matin. Elle le nom. Elle aussi ne savait pas. Elle disait que. Non, elle disait pas qu'elle m'a dit qu'elle savait pas qu'elle devait mettre sa voiture parce qu'elle voulait partir voir une fille qui a fait une petite vidéo. Elle dit que non, non, moi Je vais te faire un peu de temps. Et même, je ne sais pas que je devais venir, la vérité. Même mon gars me laissait pas les émissions. Ah bon? Parce que les enfants étaient que deux. Je suis deux plaies. Ça peut m'en faire. Nous sommes arrivés à 3h. Vous avez dormi? Comme d'hab. La voiture. Mmh. Bien, à quelle porte? Elle était voisin à Paul Biya. On a pris le petit déjeuner ensemble. J'écoute la voix de l'autre pégante qu'elle a pris. J'écoute la voix de l'autre pégante qu'elle a pris. On ne peut pas, on ne peut pas. Pourquoi on ne parle pas alors? On a essayé, mais ce n'est pas ce que tu vois. On est allé à l'IAD. On sait toujours.